Bien-aimé dans le Seigneur, voici le retour sur le plateau de tournage pour faire suite au sujet, au grand sujet que nous avions commencé déjà avec vous sur le choc des générations ou le cycle de réveil et de mort. Je crois que vous commencez à comprendre pas à pas que dans un âge, aucun âge arrive à l'apostasie afin que le système soit remis à zéro ou démarré à zéro, il faut qu'il y ait la succession des quatre générations. Et Dieu nous fait grâce aujourd'hui, nous commençons à comprendre dans quelle mesure sur le trône il y a les sept esprits de Dieu ou les sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu. Et à chaque âge, Dieu libère une lampe qui est l'esprit de Dieu qui descend sur la terre pour influencer tout un âge. Et dans cet âge-là, il y a la succession des quatre générations. Donc, l'esprit ne vient pas simplement pour influencer le messager. Donc, il faut reviser votre manière d'étudier les Écritures, d'aborder, de présenter le message. Parce que Frère Branham nous montre que si nous avions mal présenté la chose, les gens vont fuir la chose, bien que ce soit la vérité, les gens auront des réticences pour adopter votre idéologie, parce que vous-même, vous ne la maîtrisez pas. Lors du premier âge de l'Église, voilà, vous voyez, la lampe qui a influencé cet âge-là était la première. Il n'y a pas seulement Paul qui a été influencé, mais que ce soit tous les apôtres ont été sous l'influence de cette lampe-là. Voilà pourquoi il y a eu Pierre qui prêchait de l'autre côté, il y a eu Jacques, il y a eu Jean et les autres apôtres. Mais dans cette période, Dieu a élevé Paul afin qu'il porte le flambeau pour être le messager parmi les nations. Sinon que Paul n'est pas le seul parmi les apôtres qui a évangélisé les nations. Et d'ailleurs, Frère Branham explique ce concept que là, la personne qui avait les clés, c'était bien Pierre, puisqu'à Jérusalem, c'est lui qui avait ouvert la porte. En Samarie, quoique Étienne et Philippe aient allé évangéliser, mais pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il a fallu qu'ils fassent venir Pierre et Jean. Et quand Pierre a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit malgré qu'ils avaient été déjà baptisés. Et chez Corneille, qui représentait les nations, Dieu a oint Pierre afin qu'il apporte la grâce chez les nations. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a choisi un instrument pour qu'il soit le messager des hommes des nations qui étaient l'apôtre Paul. À la dislocation, la persécution, quand elle a éclaté à Jérusalem, les apôtres se sont répandus partout dans le monde entier. Voilà pourquoi on retrouve Thomas en Inde qui a porté l'évangile en Inde. On retrouve Luc et Marc qui sont descendus bien sûr en Afrique et les autres sont allés partout ailleurs. Mais dans cet âge-là, apostolique, le messager était Paul par rapport à la commission qu'il avait reçue. Ainsi, nous revenons pour insister là-dessus pour que tu puisses comprendre qu'effectivement, pour qu'un âge rentre dans sa phase apostasique, il faudrait qu'il ait la succession de ces quatre générations. Et nous avons commencé pour montrer dans ce tas de Laodicée qui commence en 1906 avec le réveil d'Azusa Street. Cette génération qui voit ce réveil éclater, introduit par William Seymour, arrive à sa fin jusqu'en 1946 et Dieu est obligé de visiter William Branham à travers l'envoi de son ange. Et Frère Branham commencera le réveil de la guérison divine sous l'impulsion de cet ange. Et cette deuxième génération que nous avions identifiée comme étant la génération des conquérants, la nouvelle génération ou la génération qui fait l'expansion représentée par les hommes d'affaires du plan d'évangile. Et dans cette période prophétique s'arrête en 1986. Donc, Frère Branham, quand il dit, s'il y a une génération qui vient après nous, elle nous dépassera parce que c'est une génération qui aura plus d'informations. Donc, cette génération qui dépasse la génération de William Branham commence à partir de 86. Et nous avons montré dans cette étude que 86 a été marqué par un événement d'une importance capitale, c'est la catastrophe nucléaire de la centrale
de Tchernobyl. Voyez-vous que c'était un échec technique de grande qui a causé des dégâts majeurs. Et suivant notre étude, cette troisième génération va de 1986 jusqu'en 2026. Donc précisément, il nous reste 6 ans pour que nous puissions clôturer et achever la troisième génération que nous avons identifiée comme étant la génération des juges, ou la cette génération de juges, chapitre 2, verset 10, la génération qui ne connaît point l'Éternel. Mais après vient la dernière génération, la quatrième, qui est la génération apostate, la génération qui entretiendra la cendre noircie. C'est catastrophique. Déjà dans la troisième génération, Frère Branham dit qu'il ne reste que quelques braises encore rougeoyantes. Dans ce sens, ces juges qui apparaissent ça et là avec des réveils saisonniers. Donc c'est pour montrer que, voyez-vous, qu'il y a un ange qui descend sur la terre, il y a une étoile, ou pardon, une lampe, qui est l'Esprit de Dieu qui vient dans un âge, et cet Esprit-là va agir suivant les quatre générations, mais à des degrés de visitation, à des degrés d'onction qui sont très, très différents. Et je vous invite à prendre l'écriture de base pour notre sujet. Et cette écriture, c'est Apocalypse chapitre 8, le verset 10 jusqu'au verset 11. Écoute ce que l'écriture dit. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Ce flambeau-là, c'est un champignon nucléaire, pour te mettre à jour. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. On nous dit souvent que l'eau est la vie. Mais ici, l'eau devient porteur de la mort parce qu'il y a des éléments nocifs qui se sont infiltrés, qui se sont fusionnés avec les eaux, et le résultat, c'est que cela produit effectivement la mort. Alors, cette troisième génération, qui est la génération qui ne connaît point l'Éternel, je l'appelle aussi la génération absinthe, ou l'absinthe qui est bien sûr un fiel amer, un vin mêlé, ou disons des eaux empoisonnées. Donc, là où il y a l'absinthe, il y a l'amertume. Là où il y a l'absinthe, il y a bien sûr la mort, ainsi que tout ce qui va en rapport avec les animosités, ce n'est que de l'absinthe. Alors, suivez très, très, très attentivement. La troisième génération, qui est la génération qui vient après la génération qui a vécu avec Josué, apparaît dans le livre de Juges. En effet, ça devait être, elle devait être la meilleure des générations. Parce que c'est cette génération qui ne connaît point la souffrance, c'est cette génération qui n'a pas connu les difficultés du désert, c'est cette génération qui n'a pas connu ce que c'est la manne. Donc tout leur est servi sur un plateau. Donc la mission qu'ils ont comme la génération nouvelle naissante dans le pays, en fait, c'est la génération qui devait continuer la relève. Donc c'est eux qui doivent faire la relève. C'est eux qui doivent amener la mission que Josué n'a pas achevée. C'est eux qui devaient amener cette mission-là à l'achèvement. Puisque Josué est décédé sans accomplir toute la conquête ou atteindre les limites telles que Dieu les avait établies. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de continuité, comme il avait fait pour Élie, il a voulu que la mission d'Élie rentre dans sa continuité par Élisée, et même celle d'Élisée rentre dans sa continuité à travers de ce jeune prophète que Élisée avait remis la fiel pour aller oindre Jéhu. Donc notre Dieu est un Dieu de continuité. Donc cette nouvelle génération, cette troisième génération, devait accomplir la mission que Josué n'a pas achevée. Mais au lieu de le faire, ils se sont sédentarisés.
Et dans cette position qu'ils avaient prise, ils ont commencé à entremêler leurs semences avec les Cananéens qui étaient restés dans le pays. Et Dieu a pris des résolutions qu'il devait leur punir à cause de ce péché-là. Alors, avant d'avancer, je vais vous lire la condition dans laquelle ils se trouvaient. Qu'est-ce qui a fait que cette génération ne puisse point continuer cette grande mission noble? Parce que nous sommes cette génération qui est en train de courir vers sa fin. Mais comme nous sommes comparés à la génération qui ne connaissait pas l'Éternel, je vous invite à faire cette lecture minutieuse avec moi pour comprendre les circonstances qui firent que la génération ne puisse pas continuer la mission que Josué avait laissée. Et pour votre information, pour vous rafraîchir la mémoire, que notre Josué ici est le prophète William Marion Branham qui a été suscité lors de la deuxième génération, la génération des hommes d'affaires du plein évangile. Mais Frère Branham parlera de la relève qui doit être accomplie par des jeunes gens. Mais pourquoi ces jeunes gens n'agissent pas conformément à la mission qu'ils ont reçue? Alors, faisons d'abord un voyage rétro-passéiste pour comprendre ce qui a miné, ce qui a bloqué la génération de la Bible ici, qui ne connaît pas l'Éternel, la troisième, et faire une analyse approfondie des maux qui ruinent la génération actuelle qui a la même mission. Juges chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 23. La Bible dit, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui leur avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux. Et ils héritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux. Pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Voyez-vous que Josué avait laissé des nations à sa mort. Et la mission de cette nouvelle génération était de continuer la conquête. Mais à cause de la prostitution spirituelle, à cause des abominations, à cause de l'idolâtrie, Dieu a résolu que ces nations-là vivront ou cohabiteront avec cette génération. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir
s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Oh là là, c'est catastrophique. Voyez, nous vivons cette époque identique à la génération du temps des juges. Un temps de perturbation où chacun faisait ce qu'il voulait parce qu'il y avait l'absence des prophètes. Et au temps des juges, chacun élevait son culte à lui à sa manière. Et ces abominations étaient la cause qui faisait que de temps à autre, il retombait dans la servitude. Mais remarquez, il y a un point très capital, qu'au lieu d'accomplir leur mission, qui était la continuité du travail de Josué, ils ont aimé l'idolâtre. Et cette désobéissance a fait que les nations d'alentour, ou les églises d'alentour, les communautés d'alentour, puissent prospérer. Et Dieu a laissé à ces nations de se reposer. Je vais vous expliquer un fait. Vous voyez, dans le monde pentecôtiste, hier, un croyant du message, à tous les niveaux, ne pouvait pas être comparé avec un pentecôtiste. Hier, un prédicateur du message, à tous les niveaux, ne pouvait pas être comparé à un pentecôtiste. Il y avait la différence au niveau de la parole, au niveau organisationnel. Je vous dis bien que même au niveau prospérité, les églises du message étaient mieux organisées, mieux prospères que les églises pentecôtistes. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait. Vous voyez qu'un pentecôtiste, aujourd'hui, quand il veut faire quelque chose, mais il le fait sérieusement, que ce soit au niveau musical, vous voyez qu'ils font mieux. Que ce soit au niveau des églises, ils bâtissent des tabernacles mieux que nous. Au niveau organisationnel, à tous les niveaux, vous voyez qu'ils sont même plus prospères que la majeure des églises ou les croyants du message. Qu'est-ce qui en est la cause? Alors que Dieu a suscité Josué, et selon cette étude, notre Josué, c'est William Aaron Branham. Et dans le plan du blé, qui rejoint effectivement les générations, Frère Branham est en train de montrer qu'aujourd'hui, la vie est dans les grains. Et quand la vie est dans le grain, ça veut dire que la racine, la tige, les feuilles, les graines, la balle a séché, toute la vie s'est accumulée dans le grain. Ça veut dire que toute chose devait être parfaite parmi les croyants du message. Mais pour ne pas être religieux, je vous montre que mais ce qui se fait, c'est le contraire. À moins que tu continues à être religieux. Dans la vie, à un moment donné, tu dois comprendre que non, là, je suis en retard. Là, j'ai failli. Parce que tu ne peux pas t'améliorer si tu ne regardes pas ton environnement. Tu n'arrives pas à constater tes défauts. Et nous sommes dans cette forme de religiosité où personne ne veut comprendre que ici, moi, j'ai failli. Ici, je suis en retard. Ici, je ne suis pas organisé. Je vous ai dit que chez nous, on dit « Bonga et Bongate, toujours meilleur ». Que ça marche ou ça ne marche pas, mais nous sommes toujours champions. Mais vous serez surpris que vous êtes vaincus. Donc, voyez-vous qu'à cause de la négligence, à cause de la prostitution spirituelle, l'Éternel Dieu a laissé ces nations, ces églises environnantes, prospérer afin que Israël, à travers cette génération, soit un sujet de sarcasme. Alors qu'ils avaient reçu une mission noble, ils devaient aller à la conquête pour détruire les autels, pour anéantir tous ces Cananéens-là. Mais voyez que leurs abominations, leur attitude a fait que la conquête soit altérée. Pour quelle raison? Parce que c'est une génération qui a oublié les bienfaits de l'Éternel. Et la Bible nous dit que s'éleva une autre génération
qui ne connaissaient point l'Éternel, ni ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Voilà pourquoi dans Juges chapitre 6, vous verrez que Josué, comme Gédéon, qui est un juge, voyez-vous, qui est sous l'influence d'un ange, quand, malgré la présence de l'ange du Seigneur, il dit, c'est pas possible, Dieu ne peut pas me visiter, moi, là. Parce que c'était cette doctrine-là que le temps de miracle est passé. Que il n'y a pas des gens qui peuvent se lever dans la révélation. Il n'y a pas quelqu'un qui peut creuser profondément. Dieu était avec Moïse et Josué, c'est fini. Dieu était avec Frère Branham, c'est fini. Dieu ne visite pas les gens, c'est fini. Nous sommes, Dieu ne peut pas, Dieu n'est pas avec nous, c'est pas possible et tout ça. Donc, l'ange du Seigneur parle à Josué, Gédéon. Il dit que, vaillant héros, Gédéon n'a jamais battu une guerre, n'a jamais combattu. Mais Dieu voit en Gédéon le potentiel. J'aimerais te rassurer, mon jeune frère, toi qui as une mission, Dieu voit, l'ange du Seigneur voit en toi le potentiel que tu as en toi. Et voilà l'attitude de Gédéon. Il dit, c'est pas possible, ma famille est la plus petite. Notre église, là, c'est encore une jeune église de tout ça. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'église? Dieu te dit que tu es vaillant, que tu es fort, que tu as une force en toi. Il dit qu'avec cette force que tu as, lève-toi, va. Il dit non, voyez-vous que les miracles, nous avons lu les brochures, mais on constate qu'avec tout ce qui se passe, tout ça. Mais c'est le même Dieu, c'est le même ange qui avait visité Moïse, qui avait visité Josué dans la vallée d'Aralot. C'est le même ange que Dieu t'envoie à toi pour te dire que va avec cette force. Donc vous voyez que à chaque génération, cet ange-là a été toujours présent. Et il cherche des cœurs disposés. Parce que Dieu est à la recherche des cœurs, dit Frère Bama. Voilà la troisième génération qui ignore les bienfaits du Seigneur, qui ignore la puissance que Dieu avait déversé à Azusa Street, qui ignore la visitation qui est venue à Frère Branham en 1946. Ils ont tout oublié. Ils rentrent dans le divertissement. Alors, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 8, le verset 10 à 11, que lors de la sonnerie de la troisième trompette, il y a une étoile flamboyante qui quitte le ciel sur la terre. Et donc la mission est de polluer les eaux. Et cette étoile est appelée absinthe. Or, absinthe en langue ukrainienne veut dire Tchernobyl. Voilà pourquoi nous avons quadrillé, nous avions identifié cette troisième génération qui débute en 1986 avec l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui a produit les eaux amères de l'absinthe, qui a pollué l'atmosphère, qui a pollué les eaux, qui a engendré des cancers çà et là, qui a fait que même le sol puisse devenir inculte. Alors donc cette cohabitation-là entre la troisième génération et les Cananéens était due à cause du manque d'objectivité. Voilà pourquoi je crois que par la grâce du Seigneur, je reviendrai pour vous donner un enseignement très capital, qui sera, je crois, un coaching sur les cinq lois du millénium, où je vais montrer comment développer le potentiel qui est en vous jusqu'à ce que vous deveniez des dominants. Et ceci passe selon la loi de Genèse, chapitre 1, le verset 28, que Dieu a donné à l'homme cinq ordres pour pouvoir être le maître du monde. Et selon Romains, chapitre 8, la Bible dit que le monde est en train de soupirer en attendant la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Donc, ces choses-là ne sont pas simplement des choses littéraires, mais nous pouvons les appliquer pour développer le potentiel qui est en nous à travers tous les domaines de la vie, et surtout pour les ministres. Alors, donc, l'absinthe est pour tout commencer une plante. Mais cette plante-là n'a pas de goût comme du miel, c'est une plante amère.
Je vous invite à me suivre alors que je vais prendre les notes que j'ai prises sur ce que c'est l'absinthe. Dans le dictionnaire biblique, il est dit que l'absinthe est une plante vénéneuse à saveur très amère, selon Deutéronome chapitre 29, le verset 18, appelée aussi roche en grec, en hébreu et en grec collé. L'absinthe commune est l'Artemisia absinthus qui se cultive. Donc, ce n'est pas étonnant que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un virus qui, dont la solution sort du midi et le traitement est fait à partir de l'absinthe. Parce que même le protocole du professeur, comment il s'appelle, Raoult, sur la chloroquine, ce n'est autre que de l'absinthe. Donc c'est juste une flash que je vous donne parce qu'il nous reste 6 années pour que la génération absinthe touche à sa fin. Et l'une de l'espoir qui vient, c'est aussi l'absinthe. Parce que la Bible dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc cette procédure des Égyptiens qui consistait à traiter le mal par le mal, c'est-à-dire les morsures des serpents, étaient traitées par des serpents. Parce que le sérum contre les morsures du serpent, c'est aussi des serpents. Voilà. Donc, dans cette génération absinthe, le traitement qui a donné, qui donne vie aujourd'hui, est venu à travers l'artémisia, qui n'est autre que de l'absinthe. Pour ceux-là qui comprennent, docteur Jude, toi qui, au Cameroun là-bas, c'est l'absinthe, c'est le ndolé, ndolé, ndolé. Donc, ndolé, la plante là, ndolé, ça fait partie des absinthes. Tout comme l'artémisia, c'est de l'absinthe. Chez nous ici, le quinqueliba, ça fait partie de la famille des absinthes. C'est-à-dire tout ce qui traite les produits que l'on prend, les tisanes du palu, ça fait partie de la famille des absinthes. Bon, c'est une juste, ça c'est la culture générale, ça n'a rien à voir aussi avec la révélation. Mais comme voyez-vous que le diable est venu tellement sous forme de gazam, il vous a même volé la capacité d'avoir même la culture générale, il vous a enlevé ça. Je continue en sujet que roche signifie un autre mot rendu par absinthe est lahana. Dans Amos chapitre 6, le verset 12, je crois qu'à la fin je vais lire tous ces versets-là pour que vous puissiez avoir une idée. Dans un sens imagé, l'absinthe désigne l'amertume d'une grande souffrance, d'un grand châtiment, selon Jérémie chapitre 9, le verset 15. Et Jérémie chapitre 23, le verset 15 aussi, où l'intoxication produite par le péché. Amos 3, Amos 5, verset 7. Dans le livre de l'Apocalypse, le nom absinthe est donné symboliquement à l'étoile tombée du ciel qui fait périr les hommes par les eaux devenues amères. Dans le passage messianique du psaume 69, le verset 22, qui dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Les Septante ont rendu l'hébreu roche par le grec collé. Ce mot dans la Septante et ailleurs désigne toutes sortes de drogues épicées, le genre celle qu'on offrait aux crucifiés pour adoucir leurs souffrances. Le vin mêlé de myrrhe, des résines, et Matthieu, se référant au texte de la Septante, parle du vin mêlé de fiel dans Matthieu 27, le verset 34, tandis que Marc mentionne la myrrhe dans Marc 15, le verset 2. Or, Frère Banham nous dit que la myrrhe est le symbole de la mort. Je lis le prophète dans l'exposé des états de l'Église, dans l'âge de Smyrne, la page 113. Frère Banham dit que le mot myrrhe, qui veut dire amer, est dérivé du mot, non, le mot Smyrne, qui veut dire amer, est dérivé du mot myrrhe. La myrrhe était utilisée pour embaumer les morts. Le nom de cet âge a donc deux significations. C'était un âge amer et rempli de morts. Voyez-vous que, donc, Marc qui parle qu'à la croix, alors que le Seigneur avait soif,
Et en lui donnant, au lieu qu'on lui donne de l'eau à boire ou du vin, mais on lui donne un fiel amer, le myrrhe. Voilà pourquoi, la myrrhe, voilà pourquoi il a vomi cela. Parce que c'était un fiel empoisonné, c'était de l'eau empoisonnée, c'était quelque chose qui ne pouvait pas satisfaire à ses attentes. Regardez comme l'organisation produit la haine, elle détruit la communion, elle crée l'amertume. C'est ce que signifie la myrrhe. Alors, si l'absinthe est aussi la myrrhe, c'est qu'elle produit la mort. Et ici, Frère Branham est en train de montrer que ce qui produit cette haine, c'est l'organisation. Ce qui produit l'amertume, c'est l'organisation. Donc, le caractère de cet âge-là, ou de cette génération, ce sont les eaux amères, la myrrhe, le fiel amer, des eaux empoisonnées, ou mara, le stigmate même de l'organisation. Raison pour laquelle j'ai tantôt dit que nous vivons une époque où le diable n'a plus la préoccupation de venir dans les églises qui prétendent, je dis bien prétendent, prêcher le message. Parce qu'il a pu réveiller quelque chose qui était lié à la nature de l'homme. Frère Branham, dans la demeure future, parle du serpent qui est dans l'homme dès sa naissance, qui est une racine même du mal. Et ce serpent-là n'est détruit que par l'épée de la parole pour que la colombe s'installe. Et la Bible appelle ce serpent-là le serpent fuyard, le monstre marin ou le Léviathan. Il vit là où il y a des eaux. Les eaux, ce sont des foules, les langues, les peuples et les nations. Et ce serpent ancien, c'est celui qui rentra dans l'Éden pour semer le trouble dans la famille Adam. Et je vous avais promis que je parlerais de lui sous la forme de Lilith. Donc il suffit que le diable éveille le Léviathan dont Job parle, il dit qu'ils ont la capacité d'éveiller le Léviathan. Quand le Léviathan est élevé, est éveillé, mais ça éveille ce qu'on appelle le démon familier, qui est la nature du mal, qui est enfouie au plus profond d'un être humain. Et lorsque le diable arrive à manipuler les gens jusqu'à ce stade, il se repose parce que la nature de la dégradation humaine prendra le rôle parce que déjà de par la naissance, les stigmates du mal est déjà enfoui dans l'homme. Donc tel que tu es là, quand tu es né, ta naissance est contraire au principe de la parole. Tu es né selon l'interprétation du serpent et tu portes en toi ces stigmates-là. Sans la nouvelle naissance, le diable a le contrôle sur toi. Et la majorité des gens sont sous le contrôle du diable aujourd'hui. Même s'ils sont dans les églises, même s'ils ont des brochures, ça ne change absolument rien. De toutes les façons, je vous ai montré que comment pendant 40 ans, Moïse n'a pas eu le temps de circoncire cette génération à cause du divertissement. Il a fallu une nouvelle circoncision. Donc l'organisation produit le mal. Et si vous voulez avoir une idée précise, allez dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, le diacre Philippe rentre en Samarie et il produit un grand réveil en Samarie. Mais ce réveil se soldera comment? Par l'infiltration parmi les convertis des illusionnistes, c'est-à-dire dont l'évêque était Simon le magicien. Et Simon le magicien, c'est un illusionniste qui s'appelle un magicien. En fait, c'est un illusionniste. Parce que tout ce qui se fait au cabaret, ce n'est pas de la magie, c'est de l'illusion optique. Donc, on exploite votre ignorance et pour qu'ils deviennent des super-hommes. Et donc, le patron de ce culte-là, c'est Simon le magicien ici. Le culte des illusions. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Simon des magiciens parmi nous. Des illusionnistes. Il suffit qu'il y ait un petit doigt qui traverse le smartphone et dès qu'on clique avec la projection des lumières,
Et voilà, on prône haut et clair des colonnes de feu qu'on met même dans les églises. Voilà le culte de Simon le magicien, des charlatans qui ont occupé la chair. Et tout ça, c'est pour lier les gens. Tout ça, c'est pour manipuler les consciences affaiblies. Et les églises aujourd'hui du message sont remplies à cause de ces cultes-là, des apparitions, des fausses colonnes de feu, qui n'est qu'un culte des illusions. Et c'est l'onction de Simon le magicien. Voilà pourquoi Pierre l'a dit, que je vois que tu es dans le lien de l'iniquité, tu as en toi l'absinthe, le fiel amer. Donc, 1986, 2026, tout ce qui a prôné, des gens qui ont eu le succès, ce sont les gens qui ont fait vibrer le surnaturel, le fameux surnaturel, qui se solde toujours par des parutions, des colonnes de feu faux, pour intimider les croyants, pour les lier, mais la vraie parole n'a pas été apporté au peuple de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi tu vois qu'aujourd'hui, les gens vont se prostituer vers Baal. Les gens élèvent les stèles des Akéra ou d'Astarté. Et qu'est-ce qui en est la cause? C'est le culte des illusions. Voilà pourquoi les gens n'ont pas bu la parole. Ils n'ont pas bu les eaux fraîches. Ils ont bu de l'absinthe. Ils n'ont bu que les eaux empoisonnées. Voilà. La troisième génération, c'est celle-là qui est nourrie des eaux empoisonnées. Un vin mêlé, qui sont les informations corrompues. Voilà pourquoi nous devons nous opposer à Simon le magicien. Si tu es Simon le magicien, écoute-moi bien, je t'ai à l'œil avec des apparitions des fausses colonnes de feu. S'il faut les enregistrer aujourd'hui, il y a près de 1000 colonnes de feu à travers le monde depuis que Frère Branham est parti. Chacun a sa colonne de feu. Chacun a sa colonne de feu. Alors que Frère Branham a dit, tenez-vous éloignés de cette colonne de feu parce que vous n'êtes pas constitués à traiter avec cet être surnaturel. Frère Branham a dit que Moïse, de par sa naissance, était constitué pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce cercle lumineux. Mais je dis que William Branham a été conçu, voilà pourquoi sa naissance a été particulière pour traiter avec cette partie sacrée de Dieu. Et toi, qui es-tu? Même la parole là écrite, tu la maîtrises pas. C'est la partie surnaturelle, la partie logos de Dieu que tu vas comprendre, la partie théophanique de Dieu que tu vas comprendre. Alors que ces théophanies, lorsqu'ils firent leurs apparitions dans la Bible aux prophètes, c'est pour leur donner une lumière plus intense. Voilà Simon le magicien. D'où la finalité. Il est obligé de scinder la comparaison de spiritualité par le matériel. Il dit à Pierre, vends-moi ta capacité de transmettre le salut. Voilà, tout chez lui, c'est l'argent. Voilà pourquoi vous verrez que cette génération a été mise sur une mauvaise voie. Que être grand prédicateur, c'est accumuler l'argent. Et tout le monde court derrière l'argent. Et la finalité, ça produit une génération faible et adultère. On n'a plus la capacité de lire qui a Dieu dans son cœur. Et on peut faire passer Dieu devant nous parce qu'il n'est pas habillé tel qu'on le pense. Parce qu'il ne roule pas dans la voiture dont nous pensons que. Ça, il faut que ce soit Dieu. Nos yeux ont été affaiblis à cause du culte, l'orientation de Simon le magicien. On a pensé que Dieu travaille par l'argent, quoique l'argent soit une bonne chose. Mais lorsque ça soit le centre pour nos ministères, c'est faux. Et Frère Branham est clair là-dessus, dans l'exposé de cet état de l'Église, dans l'As de Smyrne, toujours, le paragraphe 119, Frère Branham dit que l'argent, ce n'est pas. Ce n'est pas l'argent qui est la réponse. Aujourd'hui non plus. Ce n'est pas la réponse. Nous avons plus de richesses que jamais et pourtant rien ne se fait sur le plan spirituel. Ce n'est pas avec de l'argent que Dieu travaille. Il agit par son esprit
Et cette action de l'esprit ne vient que par une vie consacrée à la parole. Je t'invite à changer comme moi j'ai changé. Donc le développement spirituel ne passe pas toujours par l'argent. N'allez pas dire que je suis contre l'argent, que je suis contre la prospérité, mais j'aimerais te faire remarquer que, vous voyez, nous avons eu des prédécesseurs qui ont été des très brillants enseignants, qui ont remarqué qu'il y a des, effectivement, il y a eu un temps où on pensait que le chrétien, c'est celui qui doit être pauvre et tout ça. Donc, il y a des ministères qui ont œuvré pour ramener l'équilibre là-dessus. Voilà pourquoi vous voyez que tout a été fait pour que nous puissions avoir l'argent, pour que nous puissions avoir le bon confort, pour que nous puissions avoir tout. Mais vous voyez que dans au niveau spirituel, rien n'a bougé, rien n'a avancé. Au niveau de la lumière, rien n'a avancé, alors que Frère Branham, dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole, il dit que après la vue, il n'y a pas d'autre faculté qui traverse la vue en dehors de l'intelligence. Parce que ce qui vient après la vue, c'est l'intelligence. Et le prophète, c'est lui l'œil prophétique, la vie prophétique. Et après la vie prophétique, nous rentrons dans l'intelligence, le logos, le savoir. Donc l'âge, la génération dans laquelle nous sommes, devait être la génération lumière, la génération de l'intelligence, la génération qui devait avoir une perception très élevée. Parce que l'intelligence, vous ne pouvez pas la cadrer avec le noir et blanc, ce n'est pas possible. Parce que le monde est une émanation de l'intelligence. Le monde a été créé par le logos, le savoir, l'intelligence. Voilà quand le mystère de Dieu s'ouvre, selon le livre de Colossiens, c'est que c'est Christ, mystère dans lequel est contenu tous les trésors de la science et de la sagesse. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons conçu des manuels et les citations, la divinité, bon, on a toutes les citations. La parole fait chair, on a toutes les citations. Et tous ces sujets-là, on a ça. Et lorsqu'on a ça, et finalité, on parle tous le même langage. Et quand le diable vous étudie, c'est fini, vous êtes foutu. Dieu, vous ne pouvez pas le limiter. Parce que le même ange qui a visité Moïse, c'est le même ange qui a visité Josué, c'est le même ange qui est venu visiter Gédéon. Et il a dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Frère Branham qui a exprimé le troisième poule, il dit que ça ne produira pas de limitation, parce qu'on ne pouvait pas le contrôler. C'était dans un silence absolu qui est lié au septième sceau, et la révélation des mystères des tonnerres. Et dans cette vision de l'attente, il nous dit que tu rentres, tu sors, les journalistes, écoute, ils n'ont plus de succès. Or, que nous vivons une époque dans la troisième génération, c'est là où les journalistes font du succès. Ce n'est pas des journalistes, ce sont des gens qui ont la médisance. Raison pour laquelle ce qui est fait qu'il y ait la catastrophe nucléaire de la centrale Tchernobyl, c'était un bouton qui était en dysfonctionnement, qui n'était pas mis à jour. Alors, lors des essais, ils pensaient que le refroidissement passerait par ce bouton-là. Or, il y a longtemps que ce bouton-là ne fonctionnait pas. C'est-à-dire une situation non mise à jour. Ils ont appuyé, les appuyés, là, rien ne marche. Voilà la catastrophe de niveau 7 qui a pollué les eaux, qui a tué des âmes, qui a pollué l'esprit, c'est-à-dire les airs. Et aujourd'hui, c'est ce que le diable fait. Dans le livre de Daniel, la Bible dit que la petite corne espérera changer les lois. Elle jettera la vérité par terre. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus dire que je suis rétrograde. Il va te dire que non, j'écoute les bandes à la maison. Alors qu'il a abandonné le Seigneur. Voyez-vous, le diable leur donne un langage. C'est un bouton non mis à jour. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, personne ne dit non, c'est de la médisance. Ils n'ont fait seulement publier cette information. Mais la Bible nous dit que si tu es témoin de quelque chose, tu seras coupable. Et non, j'avais seulement cliqué « j'aime ». J'avais fait seulement un commentaire.
Voyez comment le diable agit. Il espère changer des lois pour manipuler tout le monde. Voilà la génération dans laquelle nous sommes, la troisième génération. Et elle est nourrie du fiel amer, des eaux empoisonnées. Alors que ça devait être en temps normal une génération lumière, une génération des chercheurs, une génération qui devait continuer la mission de Josué, qui est la mission de la conquête. Parce que déjà, si les hommes d'affaires ont mis des finances pour que le message, la parole de Dieu, soit véhiculée à travers le monde entier, et que le Josué que Dieu les a suscité est parti, la nouvelle génération qui devait venir devait être censée de faire plus. Mais pourquoi la génération-là est tombée plus bas autour de ce qu'on appelle l'églésiologie, c'est-à-dire autour de l'église? Il y a un problème, ils ont manqué à leur mission. Voilà pourquoi je dis que si celle-ci n'a même pas lu, parce que nous, on n'a même pas beaucoup lu, et si on n'a pas beaucoup lu, à combien plus forte raison la quatrième génération qui vient après nous? C'est catastrophique. Donc cette génération change des lois, change des principes. C'est une génération qui est polluée. Voilà pourquoi à Tchernobyl, le sol a été pollué. Vous verrez que la parole n'a plus d'effet dans les cœurs des gens. Parce que les gens passent tout leur temps dans les réseaux sociaux à s'entre-dévorer, à se critiquer aujourd'hui. Il n'y a pas de message d'édification. Il n'y a pas de recherche avec un but. Quand quelqu'un cherche, c'est parce qu'il veut aller faire la guerre quelque part pour produire l'absinthe, pour produire les eaux amères. Et la Bible dit que cette génération se prostituait vers Baal et vers Astarté. Alors, je vais lire ce que c'est Baal et tu comprendras. Baal est le dieu principal des Cananéens et des Phéniciens, dont le titre est le maître. Et les Israélites voulaient sembler appeler l'Éternel, voilà la confusion, leur maître, Baal ou Baali. Et dans Osée chapitre 2, le verset 18, le Seigneur refuse ce titre de peur qu'il soit confondu avec les adorateurs de Baal. Parce que les Hébreux voulaient aussi appeler l'Éternel Baal. Et Dieu refuse cela. Donc l'un des malheurs qui fit que la mission de cette troisième génération ne puisse pas continuer, c'est le culte de Baal. Voilà pourquoi Gédéon est un courageux. La première des choses, il fallait qu'il détruise la statue, le stèle de Baal qui appartenait déjà à son père. C'est très profond. Commence à détruire Baal qui est dans ta maison. La maison, ça peut être une église, la maison, ça peut être une communauté. Tout ici, il y a Baal. Soit, je te dis bien que l'ange est avec toi, je te dis que tu as le potentiel qui est en toi, commence à détruire Baal. Le deuxième culte, c'est l'estèle d'Akéra. Akéra, ce qu'on appelle Astarté. Et Astarté est la déesse de la fécondité, dont le culte à caractère sexuel est une source d'immoralité dégradante, car ses prêtresses se livraient à la prostitution dite sacrée. Dans 1 Roi chapitre 14, le verset 24, 1 Roi 15, le verset 12, 1 Roi 22, le verset 47, on parle des prostituées dans le temple. Son culte paraît être importé de la Mésopotamie, où elle est adorée sous le nom d'Istar. Elle est associée à l'étoile du soir Vénus, et Istar de la Mésopotamie est devenue Astarté chez les Grecs et Vénus chez les Romains. Et c'est ce même culte qui avait séduit la femme de Lot. On l'appelle à sortir à cause du culte d'Istar ou d'Astarté. Elle est devenue une colonne de sel. Donc cette génération est comparée à celle des fils d'Élie, le sacrificateur. Voilà encore comment le culte d'Astarté, les enfants d'Élie, qui ne connaissaient pas l'Éternel, qui étaient des sacrificateurs, mais qui ne connaissaient pas l'Éternel, et
ils ont commencé à amener le culte souillé, les idoles d'Astarté dans le temple. Je prends dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 22, la Bible dit que Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà 1 Corinthiens 5. L'on entend des abominations parmi vous, mais qui ne se font même pas parmi les païens. Donc, la troisième génération, c'est celle-ci, où vous entendez que le pasteur a souillé toutes les vierges de l'Église. On acclame si facilement, mais puisque le peuple meurt parce qu'il leur manque d'informations, il manque de connaissances. Il y a longtemps que Simon le magicien derrière la chair, vous ne vous rendez même pas compte, avec le culte des illusions et tout ça. Et le même culte d'Astarté, entraînant des prostituées sacrées dans le temple, que les enfants d'Élie avaient introduit déjà. Ce n'est pas étonnant qu'à la fin, ils se sont levés pour aller combattre les Philistins avec l'arche de l'Alliance. Et quand les Philistins ont entendu qu'il y a l'arche de l'Alliance qui est sortie, parce que les Philistins, ils savent déjà la férocité de l'arche de l'Alliance, et le pays des Philistins trembla, parce qu'il se dit que Dieu va nous détruire. Mais après, il se ressaisit, dit que ce n'est pas Josué, ce sont les enfants d'Élie, des perverses. Donc, vous venez avec les brochures, avec la Bible, vous serez comme les sept fils de Séba, qui ont dit, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que prêche Paul. Le démon a dit, nous connaissons qui est Jésus et qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Parce qu'il y a trop de Simon des magiciens. Il y a trop des enfants d'Élie. Malgré l'arche que vous sortez avec des slogans du message, vous serez vaincus. Parce que vous êtes une génération qui ne connaît pas l'Éternel. Mais la seule consolation, c'est que Dieu dit que Dieu suscitait de temps à autre des juges. Et ces juges-là, ce sont des ministères puissants que Dieu suscite, qui viennent, et la Bible les appelle des villes fortement arrosées, des champs fortement arrosés. Ce sont des influenceurs, ce sont des leaders, des gens éclairés qui se tiennent dans la brèche. Et la Bible dit que Dieu était avec le juge. Et tout le temps du juge, le peuple craignait de l'Éternel. Et lorsque Dieu retirait son juge, il retombait dans les mêmes histoires. Frère Branham, dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont tous ses prodiges, il en parle. Il dit que dès qu'Israël sortait d'un problème, après quelque temps, ils étaient disciplinés sous le règne du juge. Et dès que le juge était retiré, il repartait pour faire encore de la religion. La situation est catastrophique. Donc, prophétiquement parlant, il nous reste 6 ans pour que cette troisième génération arrive à sa fin. Et voyez-vous déjà dans quelle situation nous nous trouvons. Voyez-vous déjà les esprits des gens, comment ils sont. Ils ont été façonnés, où les gens font le mal, où le mal n'est plus mal. Parce qu'il y a un bouton qui n'est pas mis à jour. Et vous voyez le bouton avec l'insigne, mais en bas, le logiciel ne fonctionne plus. Je prends l'exemple. Si tu dis que frère, tu as volé le logiciel là, le frère va dire, non, je n'ai pas volé ça. J'ai craqué ça. Je suis un narqueur. Voyez-vous? Parce que la Bible ne dit pas tu ne craqueras pas. Mais la Bible dit tu ne voleras pas. Voyez-vous que c'est la même chose, voler, craquer. Mais le mot craquer paraît bon. Parce que ça ne va pas le condamner. Vous voyez? C'est juste un bouton qui n'est pas mis à jour. Et il y a beaucoup de choses que le diable a fait dans cette direction qu'il a maquillée. Aujourd'hui, ça devient si correct, comme si rien n'était. Voilà pourquoi c'est difficile que les gens accèdent au véritable baptême du Saint-Esprit pendant ce temps que je vous parle. Parce que la situation est catastrophique. Les gens, au lieu qu'ils soient des conquérants,
Au lieu qu'ils continuent la conquête du pays, ils se sont sédentarisés et ils ont adoré des dieux étrangers. Ils ont sympathisé avec les stèles d'Akéra. Et qu'a fait Dieu? Dieu dit que alors, je vais laisser vos ennemis prospérer et je veux voir quelle sera votre disposition de votre cœur. Alors, bien-aimés, l'heure est si grave, c'est le temps enfin de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver pour clôturer cette émission, aussi ce sujet, avec la quatrième génération, la génération qui va gérer la cendre noircie. Et je profite par là aussi de dire, il faut à la fin que tu puisses liker sur cette vidéo, faire un commentaire, nous avons besoin de vos commentaires. Et si possible, ce sera mieux aussi que toi qui n'es pas abonné, si tu as suivi cette vidéo par intermédiaire ou que cela t'a été transmis d'une autre façon, va t'abonner sur la chaîne YouTube Une demi-heure de silence. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Thank you.